ça, c'est une marque de bière de cinéma. Au cinéma, notamment aux États-Unis, il est possible que les marques de boissons que tu vois à l'écran ne soient pas des vraies. Du soda jusqu'au champagne, en passant par la bière. Il y a des sociétés qui sont spécialisées dans la fabrication de fausses marques. Et du coup, de faux packaging. Donc ça, c'est un autocollant pour une bouteille de bière. Ça, c'est les étiquettes d'un Sauvignon blanc, un Château Ponella. On a ici les étiquettes d'un champagne brut premier cru. Et ici, un grand Chantal de la Roque. Je l'aime bien celui-là. Alors pourquoi ils utilisent des fausses étiquettes? Et pourquoi pas acheter des bouteilles avec les étiquettes qu'il y a déjà dessus? Bah, on le sait tous, les grands vins et grands champagnes, etc., bah, ça coûte cher. Et quand il faut faire une séquence dans un grand restaurant, bah, ils vont pas ouvrir une bouteille à 150 balles. Surtout en plus que les acteurs ne le boiront pas, puisque je rappelle que les acteurs ne boivent pas d'alcool sur les tournages. Donc, plutôt que d'acheter une bouteille avec une étiquette qu'on va être obligé de vider pour remplacer par un liquide sans alcool, et bah, ils prennent une bouteille, ils enlèvent l'étiquette et ils rajoutent la leur. Et en plus de ça, imaginons que dans le scénario, quelqu'un dise que c'est de la piquette, et bah, il y a peu de chances que le château imaginaire aille faire un procès à la production. Eh, mon amour, je te sers un petit Château Ponella ? Alors ? Bah oui, c'est vide. Bah j'ai rajouté un bruitage.